à faire mouvement pour venir coller aux ailes de la voiture. Et c'est toujours Grand River, le numéro 1, qui est le favori de cette épreuve, hein, le fils de Rockefeller Center. On a Gracieux le Fol, là, qui a donné un petit coup de guidon. Et Grand River qui n'a pas eu toutes ses aises. Gracieux le Fol au galop. Et Grand River qui a été un peu gêné, semble-t-il, pendant ce temps. Gatossian a pris un très bon départ et c'est terminé, hein, pour Gracieux le Fol qui a complètement manqué sa mise en jambe. Face de la fenêtre, c'est bien élancé. Avec Guépard Ginilou également qui fait partie du groupe de tête. Il se dirige ainsi vers le tournant avec Gatossian qui est aux commandes. Avec Guépard Ginilou qui est à sa hauteur. Go for Jet qui vient maintenant à la hauteur du numéro 3, face de la fenêtre. Alors que le numéro 2, Gracieux le Fol, a été disqualifié. Des Lunes du Soleil, Jetvac sont un peu plus loin devant Forêt. River Atout avec Gorky Brio, Grand River qui a perdu sa place, hein, après ce petit incident juste après le départ. Livy Ohio étant pointé en avant dernière position et dernière position même, puisqu'on le rappelle, Gracieux le Fol a été disqualifié. Sortie du tournant, et ils abordent maintenant la ligne droite des tribunes, ils vont deux par deux. Avec Gatossian, Vitor Nunes de Oliveira qui est en tête, avec à son extérieur Guépard Ginilou avec Sandra Monnier. En troisième position, face de la fenêtre qui effectue sa rentrée. Gofford Jet est à ses côtés, devant Jetvac qui est sur un troisième rideau côté col, avec des lunes du soleil qui est à sa hauteur, avec Quentin Blanc. Gorky Brio, la casaque blanc et vert, est un petit peu plus loin, devant Forever Atout avec Grand River, ainsi que Livy Ohio. Accélération de Guépard Ginilou. Guépard Ginilou, le numéro 7, qui prend maintenant le relais à un tour de l'arrivée avec Gatossian qui est deuxième. En troisième position, trotte face de la fenêtre. Devant également encore Go for Jet qui se retrouve maintenant le nez au vent. Jetvac est enfermé sur une quatrième ligne avec à sa hauteur des Lunes du Soleil devant Forever Atout, Gorky Brio, Livy Ohio ainsi que le numéro 1, Grand River. Bientôt le début de la ligne opposée. Et ça va très bien pour Guépard Ginilou, le fils de Cocktail Jet, qui va tenter de confirmer sa bonne course de rentrée de l'autre jour, qui est en tête et qui contrôle aisément avec Gatossian qui est dans son dos. En troisième position, nous avons toujours Go for Jet qui est au contact avec également Face de la Fenêtre qui se décale de la corde. Des Lunes du Soleil qui est un peu en suspension maintenant. Jetvac qui gagne un rang en dedans mais qui est dans la boîte avec Gorky Brio. Quant au favori Grand River, il a été décalé par Marc-André Beauvais et il tente de placer une banderie en dehors. Direction maintenant le bout de la ligne d'en face avec Guépard Ginilou qui a toujours le meilleur, avec en deuxième position des Lunes du Soleil qui vient couvrir Go for Jet. Gatossian est à la corde en dehors. Forever Atout numéro 9 avec Raphaël Fresno qui est en train de passer en revue ses adversaires et qui offre ainsi un dos de choix à Grand River le favori. Livy Ohio qui lui emboîte le pas. Bientôt la sortie du dernier tournant. Guépard Ginilou en tête avec en deuxième position Forever Atout, avec Grand River qui est un peu repris par Marc-André Beauvais qui lui laisse une chance maintenant. Un petit peu plus loin se retrouve le long de la corde des Lunes du Soleil. Entrée de la dernière ligne droite avec Forever Atout, Guépard Ginilou qui bataille maintenant avec Grand River qui est relancé par Marc-André Beauvais. Livy Ohio qui refait un peu de terrain. Jetvac à son tour qui est lancé maintenant à l'extérieur avec Face de la Fenêtre. Et Gorky Brio qui termine très fort maintenant à l'extérieur. Gaulois Ginilou qui a toujours le meilleur. Guépard Ginilou qui a toujours le meilleur. Face au numéro 1 Grand River, Guépard Ginilou avec Sandra Monnier qui file au poteau. Grand River le favori qui termine deuxième et c'est Jetvac qui vient arracher la troisième place à la fin aux dépens du numéro 9 Forever Atout. Voilà, Guépard Ginilou, le numéro 7 qui remporte la palme ici avec Sandra Monnier qui confirme sa belle rentrée de l'autre jour aux dépens de Grand River, le numéro 1, qui aurait certainement été beaucoup plus menaçant sans ce départ un peu chaotique. Le 11, Jetvac termine 3e, la 4e place pour Forever Atout, le numéro 9, et c'est Gorky Brio, le numéro 10, qui termine 5e, 7, As, 11 et 9 devant le 10 pour l'arrivée chiffrée de cette 4e et dernière épreuve. On se retrouvera dans un petit peu plus d'une semaine. Le samedi 25 mars. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.